François Bon, les carnets, Kafka encore, parce que j'étais imprécis. J'ai parlé donc du journal, cette édition Marthe Robert de 1954, qu'on trouve aussi en poche, et qui pour moi reste la référence, mais c'est aussi pour une question de typographie. C'est-à-dire, tu parcours le livre, année 1912, année 1914, année 1917, ben, c'est juste là, dans la marge du haut, et puis tu as 9 octobre, 14 octobre, 15 octobre, etc. Alors évidemment, c'est un livre qui s'use, ça, j'ai plus mon premier, ça c'était mon deuxième, mais tu as une gratitude à ces livres quand ils arrivent dans cet état-là. Qu'est-ce que tu veux ? T'en rachètes un autre. Donc c'est mon troisième. Alors, les journaux de Kafka, c'est assez récent, qui est vraiment une édition intégrale en allemand. Moi, je n'ai pas accès, je ne pourrais pas lire ça, c'est beaucoup trop compliqué. Et ce que j'avais évoqué, c'est chez Nuss, cette maison d'édition qui est vraiment remarquable dans le boulot, d'une édition journaux, première traduction intégrale par Robert Kahn. Et Robert Kahn est disparu il y a 2 ans, donc il est hors de question. De toute façon, ici, moi, je parle que de ce que j'aime. Je ne veux surtout pas aller... Mais c'est juste, j'ai dit, ce gros bouquin qui, typographiquement, c'est quand même... plus de 800 pages, là, et quelque chose, donc, beaucoup plus vaste que la traduction Marthe Robert. J'ai du mal, parce que les notes, c'est juste 19-1-14, et puis ensuite, il y en a plus, un peu plus loin, 26-1-14, 28-1-14, donc elles y sont, mais tu vois pas cette espèce d'avancée, tu vois pas la marque du cahier. Et avant... Si je prends la façon dont il traduit, tout à l'heure j'ai pris un tout petit passage comme ça au hasard, c'était page 542, et ça correspond au 321 là, de Marthe Robert. Tenez, je vous prends le passage Marthe Robert au bureau. Donc on est le 19 janvier 1914, au bureau, angoisse alternant avec une... conscience de moi-même. À part cela, je suis plus confiant. Grande répugnance à l'égard de la métamorphose, fin illisible, imparfaite presque jusqu'au fond. Le résultat eût été bien meilleur si je n'avais pas été dérangé à ce moment-là par mon voyage d'affaires. Et si on passe là, alors 19-1-14, là on est d'accord, mais c'est, là tu vois, il y a ce truc alors, en italique qui marque, c'est peut-être juste une question de typo qui me gêne, mais peur au bureau en alternance avec la conscience de soi. Au bureau, angoisse alternant avec une conscience de moi-même. Sinon, plus confiant. À part cela, je suis plus confiant. Ça va. Grande réticence devant la transformation. Il faut que tu ailles voir une note, parce que la métamorphose, qui a été le titre de, maintenant canonique de Der Verwandlung d'Alexandre Vialat, il a choisi, là, lui, la transformation. Fin illisible, imparfaite presque jusqu'au fond. Là, on est imparfaite presque jusqu'au fond, on est au mot près, pareil. Le résultat eût été bien meilleur si je n'avais pas été à l'époque dérangé par le voyage d'affaires. C'est souvent les articles qui me gênent chez Robert Kahn. Tu vois, je prends le suivant, 23 janvier, donc 4 jours après. Marthe Robert, le contrôleur en chef B, parle d'un de ses amis, un colonel en retraite, qui dort la fenêtre grande ouverte. C'est très agréable la nuit, mais ça devient désagréable le matin quand je suis obligé d'enlever à la pelle la neige amassée sur le divan qui est près de la fenêtre quand je commence à me raser. Et lui, le contrôleur en chef Bartel, parle d'un ami colonel à la retraite qui dort la fenêtre grande ouverte. Non, ça va. Pendant la nuit, c'est... très agréable. En revanche, cela devient désagréable quand je dois enlever tôt le matin à l'appel la neige sur l'ottomane qui se trouve devant la fenêtre et que je commence ensuite à me raser. Et là, quand je suis obligé d'enlever à l'appel la neige amassée sur le divan qui est près de la fenêtre, quand je commence à me raser,
Quand je dois enlever tôt le matin à l'appel la neige sur l'ottomane qui se trouve dans la fenêtre et que je commence ensuite à me raser. Voilà, c'est ce qui me gêne un peu. Alors Robert Kahn, on lui doit aussi, c'était sorti avant chez nous, c'est ça évidemment, je l'ai pas loupé, c'est Les Derniers Cahiers. Et là, ce qui est formidable là, par contre, chez nous, Dernier Cahier, c'est que Kafka note dans la même écriture, il y a les choses de journal, les toutes petites choses en une ligne et demie, en deux lignes, et puis les fragments de Joséphine la cantatrice ou d'autres récits là, tout à la fin. Il y a plein d'endroits aussi où il a respecté, toi, notre cantatrice s'appelle Joséphine qui ne l'a pas entendue. Et donc on a cette espèce de linéarité de Kafka, et pourtant qu'est-ce qu'il souffre à la fois dans les notes de journal, à la fois dans les tentatives récits. Mais et ça, évidemment, je pense qu'il faut l'avoir. Mais c'est pour ça que je voulais revenir. Je n'avais pas mentionné ça. Et là, on est chez Rivage, Cahier in octavo, 1916-1918. Et c'est traduit par Pierre Deus. Et ce qui est formidable là, c'est que... Le travail de Max Brod, ça a été, dans toutes ces dizaines de cahiers de Kafka, d'extraire une sorte de montage qui soit évidemment totalement représentatif, avec le quotidien, avec les lectures, avec les ébauches. Mais il élague, il simplifie. Et tout d'un coup, là, avec ce petit livre qui paraît modeste, là, Cahier in octavo 1916-1918. Alors, ce qui est formidable quand on a là le dépli intégral d'une suite de cahiers sur là, 1916, 1917, 1918, chaque cahier faisant à peu près 2 mois, là, souvent, c'est qu'on voit, j'allais dire, on voit ce qui rate. Et voir ce qui rate, c'est mieux comprendre ce qui éclate, ce qui réussit. Cahier G, 18 octobre 1917, fin janvier 1918, 15 octobre, non 18, peur de la nuit, peur de la non-nuit, 19, absurdité, mot trop fort, de la séparation entre personnel et étranger dans le combat intellectuel. Et si je remonte un peu avant... Si je remonte un peu avant, cahier F, septembre-octobre 1917. Une fois, un cercueil est resté chez nous toute une nuit à cause d'une erreur. Le jour de l'enterrement avait été faussement... Ah, c'est arrivé, toi, chez toi, d'avoir un cercueil, là, venu là, qui reste chez toi par erreur. Non, mais... Donc, il y a une image, il y a une idée, mais le jour de l'enterrement avait été faussement... Bon, ça s'arrête. Et Kafka, là, ce moment-là, il est avec sa sœur, sa jeune sœur, Otla, dans un sanatorium, enfin, en tout cas, un tout petit établissement, mais haut en altitude. Et ben, il recommence. Une fois, un cercueil avec un corps dedans. Ça change. Et resté chez nous toute une nuit. Je ne me souviens plus de la raison. Choc, tu vois le renversement? Et à ce moment-là, pour nous, enfants de fossoyeurs, les cercueils n'avaient rien d'exceptionnel. Lorsque nous allions nous coucher, nous ne pensions pas sans arrêt au fait qu'il y avait un corps dans la même pièce. Et là, tout d'un coup, on l'a, l'histoire. Mais est-ce que c'est une histoire qui a une suite? Non, elle est close. Et on recommence. Une nuit, je me réveillais. Ben, tout d'un coup, on n'est plus enfant de fossoyeur. Une nuit, je me réveillais, trouvais un cercueil ouvert au milieu de la pièce. Faudrait même presque dire chambre. De mon lit, je pouvais voir qu'il y avait quelqu'un dedans. Un homme avec une longue barbe bifide. Puis après, il essaye d'autres choses. C'était une journée calme et maussade. De l'herbe sèche entourait les 3 marches conduisant à la porte d'entrée. Sur le seuil se tenait un homme qui regardait une voiture gravir lentement la côte et s'arrêter devant la maison. Ça n'a rien à voir. Ben, il essaye. Mais là, on a eu 3 essais sur le cercueil. Si je continue, on va passer quelques jours, une rivière séparait la ville en 2. Plus loin, nous descendions en bateau la rivière tranquille. Plus loin, il était déjà tard lorsque je sonnais à la porte. Je dus attendre longtemps avant que le châtelain arrive, sans doute du fond de la cour, et ouvre. Tiens donc, comme si l'ouverture du château
2 ans plus tard, se profilait déjà. Là, il y a à la fois la rivière et le mort. Certaines ombres de défunts ne s'occupent que de lécher les flots de la rivière des morts parce qu'elle vient de nous et a encore le goût salé de nos mères. Dégoûtée, la rivière alors regimbe. Elle se met à couler à rebours, ramène les morts à la vie. Mais eux sont tout heureux. Ils entonnent des actions de grâce et caressent la rivière, courroucée. Mais justement, comme Kafka, il ne trouve pas la résolution, là, de cette question de cercueil avec un mort dedans, par hasard dans ta chambre, alors que tu n'es même pas fossoyeur. Eh ben, Max Brod ne l'a pas conservé. Alors, dans le même fil, là, je me dis, tu ne sais pas quoi écrire ? Eh ben, écris sur Don Quichotte. Et tu écris. Si tu écris, rien n'est perdu. Sancho Panza, lequel d'ailleurs ne s'en est jamais vanté, parvint au fil des années, durant des heures du soir et de la nuit, à force de se plonger dans les romans de chevalerie et les histoires de bandits, à tellement détourner de lui son démon, à qui il donna plus tard le nom de Don Quichotte, que celui-ci se mit à faire les actions les plus folles qui, par manque d'objets choisis à l'avance et qui auraient dû justement être Sancho Panza, ne firent de mal à personne. Sancho Panza, un homme libre, suivi calmement, poussé peut-être par un certain sens des responsabilités, Don Quichotte dans ses équipées, ce qui lui procura jusqu'à la fin une plus grande et utile distraction. Tu as écrit ça, eh bien, là tu vas pouvoir faire des tas et des tas de variations. Si ça se trouve, il y en a même déjà plus tôt que je n'ai pas été retrouvé. Mais, 5 heures du matin, le 22, donc... là, on était le 21, donc le 22 au matin. L'une des actions les plus importantes de Don Quichotte, plus pénétrante que le combat contre le moulin à vent, c'est le suicide. Don Quichotte, mort, veut tuer le Don Quichotte mort. Mais pour le tuer, il a besoin d'un endroit vivant qu'il cherche alors avec son épée de façon aussi persistante que vaine. Pris par cette occupation, les deux morts traversent les époques dans une roulade qui ne se défait pas. Et si je cherche... Si l'on revient un peu après, le malheur de Don Quichotte, ce n'est pas son imagination, mais Sancho Panza. Et tu vois comment à chaque fois, ça t'emmène, et dans la suite de ces renversements, qu'est-ce que tu comprends mieux ? Kafka, Cervantes, le fait que tu comprenais rien à toi-même, ou... ça, tout simplement, l'infini de la littérature, et que la littérature naît des propres renversements que t'instaures dans la littérature. Tu y crois, ça? Je sais pas. Mais là, quel dommage là, que moi j'ai vécu si longtemps avec ça, sans avoir ça. Cahier in octavo, Franz Kafka, 1916-1918. Chez Rivage, lui, faut l'avoir. Tu vois l'écriture en train de se faire, même quand elle n'arrive pas à se faire. Ça, qu'est-ce que c'est précieux.